vu un bon match de l'équipe de la GSK, même si on a dominé, parce qu'une équipe de FIGDA qui a joué ses défensements, qui a essayé de procéder par contre. Je pense que dans l'ensemble, la victoire est méritée, même si on aurait pu marquer, on a raté un peu les occasions, donc on a pu marquer un peu plus tôt, puisqu'on a marqué que sur un coup de pied arrêté. Mais je pense que dans l'ensemble, on a eu les meilleures occasions. On a quand même vu une équipe de la GSK très offensive et essayer de créer du jeu. C'est pas encore, on n'est pas encore parfait, mais bon, je pense qu'il y a des progrès dans le jeu. On a plus de jeu vers l'avant, plus de mouvement. Et donc, on s'est créé, je pense, 3-4 occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. C'est ce qu'il va falloir maintenant améliorer. Et c'est déjà bien de se créer des occasions. Et puis bon, heureusement, on a marqué sur ce coup de pied. C'est une victoire, je pense, méritée dans l'ensemble, mais je ne pas. La percussion qui fait toujours défaut. Oui, et puis la conclusion aussi, voilà, c'est différentes choses. Je pense qu'il y a la dernière passe, le centre, le dernier geste, c'est encore approximatif. Donc, techniquement, on a encore du travail à faire. Par contre, bon, sur la deuxième mi-temps, on a quand même vu de la percussion, on a quand même vu des appels dans la profondeur. Bon, ça reste encore approximatif, il faut encore améliorer tout ça. Vous avez du temps à apporter un changement, à apporter un reste. Oui, parce que sur la deuxième mi-temps, j'ai vu que tous les joueurs étaient dans le match. Donc, tous les joueurs étaient dans le match, tout le monde faisait le maximum sur la deuxième mi-temps et qu'on avait plus dessus sur l'équipe adverse. Donc c'est pas la peine de changer pour changer. Donc, on change quand à un moment donné, on sent que ça peut amener un plus et que peut-être que, à un moment donné, peut-être que sur la première mi-temps, j'avais envie de faire des changements, mais vu que la deuxième mi-temps, on est reparti sur bon rythme, sur un bon. Des choses intéressantes, avec des bonnes intentions de jeu, c'est pas la peine de changer de suite. Bon, voilà, on fait la différence, après, on fait des changements un peu par rapport à. Je dirais au physique pour gérer un peu le physique. C'est un changement par rapport au dernier match. Donc vous avez quand même vu qu'il fallait ramener certains joueurs après le dernier match. Non, mais non. Le match, c'est pas le changement. Vous savez, on a gagné à Tlemcen et dans l'équipe qui a battu Savoie, il y avait 3 changements. 3 joueurs qui n'avaient pas joué. Donc après, c'est pas grave, il faut ramener. C'est comme ça, c'est en mouvement. Il y a 3 matchs en une semaine. Il y a 23 joueurs de champ, il y a des joueurs à gérer, il y avait des joueurs qui étaient blessés, d'autres qui revenaient de Covid, d'autres, donc il faut faire attention à tout ça, il faut prendre un peu d'attention à tout ça. On va avoir certainement un calendrier dense, donc il faut du roulement, faire très attention aux joueurs, et on aura besoin de tout le monde pour tout le long de la saison. Donc on va faire attention à tout ça et avoir le plus de monde possible, le plus frais possible, le plus longtemps possible. Mais quand tu ne pensais pas qu'on a raté trop d'occasions, on a joué un peu avec le feu et on a raté la correctionnelle à la dernière minute, c'est jamais deux balles de bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'en pourtant vous n'êtes pas 2-0, vous n'êtes toujours pas à l'abri d'un coup de pied arrêté ou d'une contre-attaque, c'est sûr. Bon. Mais surtout, on avait les occasions de pouvoir marquer ce deuxième but, donc déjà ouvrir le score avant de marquer. Bon, voilà, c'est ce qui nous pénalise actuellement encore. Bon, déjà, on se crée une occasion, donc c'est bien. On s'est créé plus d'occasions que sur les matchs précédents, donc c'est bien, c'est un peu. Maintenant, il va falloir des compétitions. Et vivement qu'un attaquant, un buteur brassé contre Ben Sayar, en plus, bon, ça aussi, c'est important, c'est d'avoir des joueurs aussi frais sur le banc pour pouvoir les faire rentrer. Parce que, bon, on me parle du match de Magra, mais à la mi-temps, on était à 0-0. Et puis à l'extérieur, n'est pas un mauvais résultat. Et les faire entrer, deux attaquants frais pour essayer de faire la différence. Et j'avais les deux attaquants frais sur le banc. Après, c'est aussi, vous savez, si j'ai fait ça à ma grâce, c'était réfléchi, c'était pas comme ça. Vous savez, ce que je voulais, c'était que je savais que ça serait un match difficile, parce que c'est une équipe de ma grâce qui voulait gagner chez elle, qui avait besoin de gagner. Je savais que ça serait difficile, que la première mi-temps serait difficile. Mais qu'avec le temps, la fatigue, il y aurait plus d'espace, et en faisant entrer les deux attaquants frais, on aurait peut-être l'opportunité.
n'a pas fonctionné, mais dans l'idée, c'était ça aussi. C'est pas faire jouer le jeu de l'autre, parce que jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement, et puis qu'après, on n'est plus rien, et puis on va. C'est manager un groupe, c'est ça, c'est faire jouer les joueurs, on sent les plus aptes, c'est manager leur physique, c'est manager tout un tas de choses, le temps de jeu et tout ça. C'est des choix tactiques, je crois que c'est des choix. On peut pas. Il faut faire des choix. À un moment donné, il faut sélectionner. Quand on sélectionne, on élimine certains joueurs. Enfin, élimine. On écarte. C'est des choix. Comme tu dis qu'il ne fait plus partie. Non, il fait partie toujours de l'effectif de la GSK. À lui de le montrer. Pour l'instant, ben, aussi le gardien pour commencer la saison aujourd'hui. Voilà, bon, les erreurs individuelles, ça arrive. Ça fait partie on l'a payé d'un point contre Major. On a perdu un point contre Major, mais bon, il vaut mieux avoir pris trois points aujourd'hui, avoir perdu un point contre Major. Si on continue, on a pris sur les quatre derniers matchs, on a pris 9 points. Si on continue comme ça, c'est ça. Quelles sont les nouvelles de l'attaquant Katoshi? Pour l'instant, j'ai aucune nouvelle. Ça parle d'une blessure qui pourrait l'éloigner pour longtemps, ça parle d'une autre IRL qui est en jeu complètement. Aucune nouvelle. On va voir, pour l'instant. Un cadre exceptionnel qui est sur votre chemin, donc que sont là ? On se ferme demain. On attend d'avoir des bonnes nouvelles. Il n'y a rien qui s'est officialisé. Demain, on attend d'avoir des bonnes nouvelles. On verra demain. Coach, d'aucuns, bon, on a déjà annoncé quelque part que vous espérez un peu avancer le match du CSC. Personnellement, non. Je ne sais pas où est cette rumeur, mais moi, personnellement, je préfère qu'on joue. Alors, je ne sais pas. Le 6, le 9, après, j'espère qu'on n'aura pas de match entre le 6 et le 14. Moi, j'aimerais bien avoir toute une semaine pour préparer ce match, parce que ça va être un match très difficile. Avec un voyage long, donc moi j'espère qu'on n'aura pas de match entre le 6 et le 14. Certainement satisfait, coach, d'avoir récupéré un pion essentiel aujourd'hui, dans le film, après une blessure. C'est sûr que ça fait un choix supplémentaire. Il est rentré, parce qu'il n'a pas débuté d'entrée, parce qu'il a arrêté pour le milieu. Mais oui, ça fait un joueur supplémentaire au milieu, et il a besoin d'avoir des joueurs de qualité.